Il a décroché une magnifique médaille de bronze chez les plus de 92 kilos hier. Le boxeur Djamili Aboudou est avec nous. Ça va, Djamili ? Ça va très bien, et toi ? Bah ça va, super. Alors, ce matin, tu t'es réveillé avec cette médaille. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi ? Bah écoutez, j'ai ressenti franchement du bonheur, de la satisfaction, parce que c'est des années de travail. Et donc franchement, je suis content. Je suis content du travail que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est encore tout frais, hein. C'était hier cette demi-finale face à l'Espagnol Gad Fadrici et El Essaoui. Est-ce que tu arrives déjà maintenant là, à pointer ce qui t'a manqué finalement dans ce combat, Djamili ? Bah, ce qui m'a manqué peut-être un peu plus d'activité. Donc le troisième round, je le remporte, mais ils ont été un peu sévères au niveau de la condensation, de la notation, donc 3-2. Donc peut-être si j'avais fait un troisième round, si j'avais fait ça au deuxième et au premier, peut-être que j'aurais pu remporter... Le combat, après j'ai eu des retours de certaines personnes qui me disaient que le premier round je méritais pas de perdre, mais bon, c'est comme ça, c'est la boxe, donc maintenant je me contente de la médaille de bronze, je suis content, donc voilà. Sur notre chaîne hein, Sport en France, on a reçu beaucoup de combattants de MMA, de boxe, de taekwondo, de karaté, j'en passe, et à chaque fois je leur demande ce qu'ils ressentent avant de combattre. Alors les réponses sont diverses et variées hein. Certains me disent que ils sont concentrés sur eux-mêmes, dans une bulle, seuls avec eux-mêmes. Certains me disent qu'ils sont connectés au public, qu'ils se parlent à eux-mêmes, qu'ils ont besoin de ça. Toi, tu te situes comment par rapport à tout ça, Djamili ? Bah moi, souvent, moi, pendant le combat, je me parle à moi-même. Tu te dis quoi ? Je regarde un peu l'adversaire, je me dis, bon, il a son bras un peu baissé. Bon, je me dis, je vais le prendre par surprise, des petits trucs comme ça. Donc après, je reste focus. Et moi, c'est ce que je fais. Hein. Je me parle un peu à moi-même, je regarde un peu l'adversaire, j'observe beaucoup et... J'essaie de débiter, marquer le plus de points possible. Le public à Roland-Garros, ça devait être incroyable. Je pense que c'était incroyable. C'est une première pour moi. Déjà, Roland-Garros, c'est là où il y a Nadal, où les Yannick Noah ont fait leur compétition. Ils ont fait leur Roland-Garros. Et donc, boxer là-bas, dans un endroit mythique, ça, franchement, c'est incroyable. Alors, je le sais, hein, je t'ai dit, on a déjà interviewé pas mal de boxeurs aussi. Les préparations sont super intenses, ça demande beaucoup de sacrifices. Et puis, toi aussi, t'as été blessé c'est aussi ça, à Tokyo, juste c'est avant ça, Tokyo. C'est ça, juste avant Tokyo, et des petites blessures, mais ça, j'ai tourné la page. Ouais. Malheureusement, j'ai pas été sélectionné pour les tours de qualification. J'ai tourné la page et j'ai mes yeux rivés vers Paris 2024, et donc j'ai réussi à me qualifier. Et aujourd'hui, j'ai réussi à être médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Je te pose une dernière question, Djamili. Après, je te laisserai enchaîner cette journée marathon. Il y avait beaucoup de monde à Paris, à Roland-Garros. Il y avait aussi beaucoup de monde dans le Nord, dans ton club de toujours, le Coudekerk Ring. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à tous les jeunes de ton club qui ont dû avoir des étoiles dans les yeux en te voyant combattre hier ? Si tu avais un message à leur faire passer. Un message aux jeunes et à la population et aux personnes qui me suivent, c'est ayez confiance en vous, en vos capacités. Ne laissez pas les ondes négatives vous pourrir la tête. Donc allez-y, allez vers l'avant. Faut pas laisser un doute dans vos têtes. Donc allez-y, foncez, et vous allez voir, le travail ça paye. Et tout ça, tu l'as appliqué à merveille hier. Félicitations, Djamili. Merci beaucoup. Et à bientôt, bonne continuation à toi. À toi aussi, merci. Il est triple champion du monde amateur et désormais double médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Le boxeur Sofiane Oumia est avec nous. Ça va, Sofiane ? Ça va et toi ? Ouais, ça va super. Alors, tu as cette médaille d'argent. Quand tu la regardes, quel est le premier mot qui te vient, Sofiane ? C'est pas la couleur que je voulais. C'est pas la couleur que je voulais, mais comme j'ai dit précédemment, c'est vrai que t'apprends à la savourer, même si là, le lendemain de combat, c'est difficile, mais voilà. Aller de l'avant et garder la tête haute. Dans tous les cas, fier du parcours. Parce qu'on ne se rend pas compte forcément de la compétition, d'aller jusqu'au bout. En finale, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel lors de ces Jeux. Même si ce n'était pas la fin que j'aurais voulu, mais c'est comme ça. Faut se contenter de ce qu'on a et aller de l'avant. Ouais, on rappelle quand même le scénario. Hein. Tu t'inclines en finale face au Cubain Eris Landi Alvarez. C'était très serré, c'était un combat spectaculaire. Comment ça s'est passé pour toi après le combat, Sofiane ? Est-ce que tu as réussi à trouver le sommeil ? Est-ce que tu t'es refait le combat dans la tête plein de fois jusqu'à... Tu te refais plein de scénarios. Mais c'est des scénarios qui te bouffent le cerveau plus qu'autre chose. Donc à un moment donné, tu te dis stop, je fais une pause. J'essaie de prendre du temps pour moi. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages qui me font chaud au cœur,
Mais je réponds pas forcément parce que c'est encore une fois, c'est un jour de défaite, même s'il y a une très belle médaille d'argent. Tu avais un game plan avant le combat? Est-ce que tu en avais un précis ou t'es plutôt un boxeur aussi instinctif? Ouais, exactement. On sait que ça allait partir vite d'entrée. Donc après, game plan, non, on s'est dit on avisera au fur et à mesure du combat, au fur et à mesure de voir comment les juges aussi vont voir aussi le combat et s'adapter en fonction. On sait qu'un boxeur, enfin même un athlète, hein, ça se construit pas tout seul. Oui. Là, avec cette médaille d'argent autour du cou, quelles sont les personnes, toi, que tu voudrais remercier, Sofiane? Ma femme, ouais. Moi, je pars en stage, en préparation, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui garde la maison. C'est elle, au final, qui fait les sacrifices, justement, d'une vie aussi, parce que moi, quand je pars, c'est un peu aussi aller, c'est ma passion, donc c'est aussi aller chercher cette médaille. Mais elle, en restant à la maison, en gardant les enfants, c'est ça, un sacrifice, un réel sacrifice. Mmh. Moi, au final, c'est pas des sacrifices, c'est un choix. C'est un choix de vie que j'ai décidé de mener. Donc voilà, l'une des premières personnes, après, bien sûr, il y a mes parents, mon entraîneur, ma ville, mon département et ma région, et tous les partenaires privés, bien évidemment, qui m'ont aidé, qui me soutiennent au quotidien pour justement pouvoir. Aller chercher le Graal ici. Sofiane, tu as deux enfants, ils sont encore un peu jeunes peut-être actuellement, mais peut-être qu'un jour ils vont aussi te poser des questions sur les Jeux Olympiques en te demandant ce que ça représentait pour toi de leur parler de tout ça. Qu'est-ce que tu leur répondras quand ils te demanderont ça, tes enfants, Sofiane? C'est quelque chose de fabuleux, je leur répondrai avec mon cœur et puis avec le vécu que j'ai pu avoir lors de cette troisième Olympiade et tout au long de cette carrière, parce que c'est vrai que c'est quand même trois Jeux Olympiques. Avec les hauts et les bas, bien sûr, donc tout ça sera allé aussi avec leur vie au quotidien, dans le sens où dans la vie on peut échouer, se relever, réussir, échouer. La vie c'est comme ça, le sport c'est comme ça, et la vie de tous les jours c'est comme ça, c'est échouer quelque part pour pouvoir se relever maintenant, pour avoir la mentale, et c'est ce que j'essaierai de leur inculquer en tout cas. La boxe c'est une grande famille, l'équipe de France de boxe c'est une grande famille. Bilal Benhama à sa finale dans peu de temps, est-ce que t'as un message pour lui à lui adresser avant cette finale? Il sait, après on est en ensemble depuis longtemps maintenant. C'est vrai que ben voilà, Jamili médaille de bronze, comme je dis, moi médaille d'argent. Il ne manque plus que l'or et je lui souhaite, parce que c'est un gars qui est travailleur, qui mérite. Et puis ça pourra aussi que mettre notre sport en lumière encore plus. Et la boxe en a bien besoin. Sofiane, encore bravo pour ton immense carrière, et ce n'est pas fini. Et puis tu vas pouvoir couper et profiter un peu. Merci à toi, Sofiane. Merci, ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt.